Coucou les enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Titi et compagnie. Aujourd'hui, on va parler de Dest, Dest 2, et plus précisément de la pêche exotique et aussi de la souquette exotique de mi-saison qui permettra donc d'avoir un exotique à la fin de cette fameuse pêche exotique. Déjà dans un premier temps, qu'est-ce que la pêche? La pêche est tout simplement une petite activité qui a été instaurée avec la saison en cours et il est donc possible d'aller dans différents lieux pour obtenir des poissons via des appâts, appâts que vous obtenez en faisant plus ou moins n'importe quelle activité. Ça tombe assez facilement. Je ne récupère pas volontairement tous les poissons que je viens de faire tomber. Pourquoi? Parce que je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Je fais même d'ailleurs attention aux poissons que je récupère. Je fais le tour pour essayer de récupérer un maximum de poissons bleus et verts. Retenez bien ça, je fais en sorte de récupérer seulement les bleus et les verts. Je ne touche pas aux violets qui sont donc les légendaires et encore moins au jaune qui est évidemment l'exotique. Là je viens de finir un event, c'est pour ça que j'étais parti et que je vous ai fait une coupure. Donc une fois que l'event est passé, vu que je vais repartir sur une nouvelle session de pêche, je vais récupérer mes poissons. Pourquoi? Parce que en récupérant les poissons d'avant, ce que j'avais fait avant de faire l'event, eh ben ça me permet tout simplement d'obtenir une charge de pêche concentrée. La charge de pêche concentrée, c'est ce que vous avez au niveau gauche de votre écran. Et en fait, plus cette barre est haute et plus vous avez de chances de dropper des poissons rares. Alors j'ai bien parlé de chance les enfants. En aucun cas, quand votre barre est pleine, ça veut dire que vous obtiendrez obligatoirement du poisson exotique. Ça n'a rien à voir. C'est juste un facteur de chance. Mais plus il est haut et plus vous avez de chances de choper du poisson légendaire et ou exotique. Donc rappelez-vous bien de ça les enfants. Pour tout ce qui est de la mécanique de la pêche, vous allez dans une zone, vous faites votre pêche, mais vous ne récupérez pas les poissons légendaires et exotiques, surtout pas. Vous pouvez même d'ailleurs ne pas récupérer les poissons bleus et verts, ça c'est à votre convenance parce que je vous rappelle que vous êtes bloqué à 500 stacks de poissons. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que il ne me semble pas que les poissons bleus et verts vous donnent de la pêche concentrée. Il me semble que ça ne donne pas du tout, mais je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, la mécanique ici est bien la suivante. Vous arrivez dans un endroit, vous allez pêcher, vous pêchez un maximum. Une fois que l'event pop, vous bougez pas, ça va récupérer un certain nombre de poissons obligatoirement, on va dire ça comme ça. Mais surtout, vous ne récupérez pas un maximum de poissons. Vous attendez que l'event passe, ou alors vous le faites, puis vous arrivez de nouveau sur, on va dire, une zone entre guillemets morte, dans le sens où l'event ne popera pas avant un certain moment, et là, vous vous dépêchez de recommencer à pêcher, mais avant cela, vous allez récupérer les poissons de tous les slots que vous aviez fait auparavant. Vous l'avez vu avant, j'avais plusieurs spots de poissons que je n'avais pas récupérés. Quand je décide que c'est le bon moment, je vais tous les récupérer, et comme ça, ça me permet d'arriver avec de la pêche concentrée directement là où je veux pêcher réellement. Faites donc bien la part des choses les enfants, ne vous balancez pas directement dans une pêche et ramassez directement tous vos poissons, ne faites pas ça. La pêche c'est un petit peu un jeu de patience, Bungie l'a conçu comme ça, donc le but est évidemment d'avoir cette pêche concentrée au maximum, mais pour cela il ne faut pas récupérer les poissons que vous droppez directement, comme par exemple quand vous faites tomber de l'exotique, ne le chopez pas directement, attendez d'avoir un petit peu plus de pêche concentrée. Et également je tiens à préciser que la pêche concentrée monte plus vite si jamais vous avez des gens qui font la pêche aussi aux alentours. Quand quelqu'un récupère un poisson légendaire ou exotique à côté de vous, ça fait monter aussi la pêche concentrée. Donc au plus vous êtes sur une zone les enfants, au plus il est facile de monter cette pêche concentrée, et c'est là un petit peu votre but. Donc lorsque vous êtes dans une session avec plusieurs joueurs, faites en sorte que ces joueurs restent avec vous. Alors là-dessus je vous ferai une vidéo spécialement pour vous montrer comment est-ce qu'on peut se retrouver à 6, 7, 8 voire même 9 sur une même carte en exploration. C'est un petit peu technique, mais vous verrez qu'il y a plusieurs façons de le faire. Pour votre pêche surtout, prenez votre temps. Évitez de trop stocker les poissons bleus et verts parce qu'ils n'apportent aucun bonus. Ne récupérez pas les poissons légendaires et exotiques directement. Attendez qu'il y ait un event qui pop. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser, désolé. Mais quand vous avez un event qui pop, toute votre pêche concentrée retourne à zéro. La zone de pêche redevient entre guillemets morte. Elle redevient à zéro. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas se focaliser directement quand vous arrivez sur une zone. Quand vous arrivez sur une zone de pêche exotique, vous devez regarder s'il n'y a pas d'event qui est en cours ou qui va arriver. Si tel est le cas, commencez tout simplement votre pêche, mais ne ramassez rien. Une fois que l'event arrive, faites-le ou laissez-le zapper. Et une fois seulement qu'il est fini, vous pouvez aller récupérer vos poissons. Ou alors encore, vous pouvez attendre différentes vagues, on va appeler ça comme ça, d'event et de récupérer seulement vos poissons à la fin. Cependant, je rappelle que vous êtes bloqué à 500 poissons. Donc, si jamais il y a d'autres poissons qui sont par terre et que vous êtes bloqué à vos 500 poissons, bah là, vous avez un risque de potentiellement en perdre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne récupérez peut-être pas forcément non plus les verts et les bleus parce qu'ils ne vous donnent aucun bonus. Concentrez-vous plutôt sur les légendaires et les exotiques. Maintenant, si vous cherchez des triomphes, je rappelle que certains triomphes
triomphes ne se font qu'en obtenant tous les poissons, et forcément tous les poissons, bah, ça passe par les verts et les bleus. Ici, j'ai la pêche concentrée au maximum, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui a chopé deux exotiques d'un coup, donc oui, quand on me pose la question, est-ce que c'est worth it, entre guillemets, est-ce que ça vaut le coup en FR, la pêche? Absolument. La pêche, c'est vraiment quelque chose de très basique au niveau du gameplay, on n'est même pas sur du shooter en fait, on est sur un mini-jeu à côté, donc oui, ça vaut énormément le coup. Je parle là en termes de temps, d'investissement et de difficulté, franchement, l'équation, elle est mais géniale quoi, c'est juste que ça peut vous prendre un tout petit peu de temps, mais en termes de difficulté, il n'y en a aucune. Ici, j'arrive donc sur une session où il y a déjà pas mal de gens, et vous voyez, je viens tout juste d'arriver dans la zone, mais par contre, j'ai bien la pêche concentrée au maximum. Alors, comment c'est possible alors que je n'ai rien fait auparavant? C'est tout simplement parce que les gens qui étaient là présents sur le serveur avant moi avaient déjà tous, entre guillemets, la pêche concentrée au maximum. C'est ça aussi l'avantage, c'est que si vous trouvez un serveur où les gens sont déjà bien regroupés, vous avez la possibilité d'arriver avec la pêche concentrée au maximum. Une fois que vous avez récupéré votre poisson exotique, il faut en récupérer un dans chaque zone, vous allez voir Hearthstone et vous aurez également dans votre truc de pêche, vous aurez marqué que vous avez une lame de je sais plus quoi, mais en gros vous en avez récupéré une dans le monde du trône, vous en avez récupéré une actuellement sur Nessos et il faudra en récupérer une au niveau de la ZME. Là je vous montre des loots que j'ai eu tout au long de la pêche et franchement vous pouvez tomber sur, j'aime pas utiliser le terme là, mais vous pouvez tomber sur certains bons god roll. Je rappelle qu'un god roll n'est valable que pour chacun, dans le sens où moi je me fous des god roll du PVP. Mais justement, si vous, vous jouez PVP, bah intéressez-vous au god roll du PVP, évidemment. J'ai eu quand même une ration de survie avec frisson cinétique. Frisson cinétique, je le rappelle, c'est très très fort parce que au plus l'ennemi a 2 points de vie, vous pouvez proquer frisson cinétique. Donc là-dessus, on est pas mal. Là, j'ai un dernier debout avec coup double. Alors coup double, je verrai pour l'utiliser plus tard. Mais bon, du coup, je vais décider de le garder. Ici, j'ai un unique survivant avec hors-la-loi. Bon, hors-la-loi, je ne suis pas forcément ultra fanat. Mais par contre, le tir voltaïque, lui, c'est très très fort pour tout ce qui est armes cryo. Donc, je vais le garder. Donc, je le répète les enfants, oui, la pêche ça peut paraître un peu long et lent sur le moment, mais clairement, quand vous revenez avec les poches pleines et que vous allez redéposer, enfin, vous allez déposer vos poissons au niveau du simu, là franchement vous vous régalez. Vous pouvez vraiment tomber sur de très bonnes armes avec de très bons rôles et surtout vous pouvez faire tomber de l'exotique malgré le fait de faire tomber du légendaire dans la boîte à poissons. Je sous-entends par là que au bout d'un moment ça va vous dire de mettre que du légendaire parce que vous aurez mis évidemment les exotiques en premier, mais même en mettant du légendaire, vous pouvez faire tomber de l'exotique dans votre boîte à poissons à partir de légendaire. Donc c'est clairement super pratique quoi, super efficace. D'ailleurs je précise aussi que les exotiques que vous faites tomber, au niveau des jets, parfois ils sont assez bons, bon parfois ils sont assez moyens. Mais par contre, au niveau des exotiques, autre chose qu'il faut savoir les enfants, c'est que vous pouvez aussi bien choper de l'armure, mais vous pouvez aussi choper de l'éclat ascendant, qui est aussi une ressource exotique, mais vous pouvez en choper. Alors certes c'est un peu plus rare, mais j'en ai eu quelques-uns quand même. Et ça aussi c'est à notifier, parce que les éclats ascendants, le meilleur moyen de l'avoir, bah c'est soit via le pass de saison, mais bon pour ça il faut monter les niveaux, ou alors il faut faire par exemple bah le truc le plus connu, c'est les GM, ou alors sinon les réinitialisations, comme par exemple bah l'avant-garde, le PVP, le gambit, mais ça ça reste quand même assez long, il faut quand même monter les 16 paliers pour en avoir un seul. Ici, juste en ramenant un seul petit poisson exotique, vous pouvez très bien obtenir un éclat ascendant. Donc là je finis de monter certaines armes que j'ai trouvées plutôt bonnes. J'ai eu un pistolet mitrailleur avec subsistance et incandescent, et ça franchement bah c'est juste excellent quoi. Subsistance, vous faites des kills, vous remettez des balles dans votre chargeur, et incandescent, bah vous faites exploser les cibles. Donc si vous faites exploser les cibles, vous avez plus de chances de les tuer. Si vous avez plus de chances de les tuer, bah vous proquez subsistance. Subsistance vous remet des balles directement dans votre chargeur, vous retuez des mobs et vous faites une espèce de spirale. Donc là franchement ouais, le sac d'évacuation, subsistance incandescent, nickel, j'ai eu un très bon rôle. Je le jouerai probablement pas parce que j'aime pas trop le design des armes de la saison, mais voilà, juste pour bien vous préciser que oui, il est possible de choper de très bons rôles dans les armes, enfin via les poissons que vous mettez dans votre bassin à poissons. Donc là voilà par exemple, j'ai eu des prismes d'amélioration. Pourquoi? Parce que bah, c'est une ressource légendaire. J'ai placé du poisson légendaire, donc le jeu va m'octroyer des ressources légendaires. Là voilà, je viens de placer du poisson légendaire, mais j'obtiens les pantalons porte-bonheur qui sont eux un exotique. Donc même avec du légendaire, vous pouvez choper de l'exotique. Ici je vais libérer mes 415 autres poissons, donc qui sont les verts et les bleus. Et comme vous le voyez, ça donne que dalle. Kuchi, Walou, Potzub, nos cacahuètes.
ça sert à rien, donc au final, évitez de trop choper de poissons verts et bleus parce que bah, ça va vous prendre de la place tout simplement dans votre boîte à poissons. Je replace du légendaire et là par exemple, vous voyez, j'ai même eu un engramme de la saison. Probablement qu'il est peut-être possible même d'avoir un engramme de la saison d'avant, je ne sais pas trop. Mais une fois encore, c'est par rapport au nombre de poissons légendaires que vous placez. Au plus normalement vous en placez, au plus normalement vous faites tomber du légendaire. La voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'éclat ascendant, donc du matériau exotique, mais surtout la lame brisée de je sais plus quoi. Et ça en fait, les enfants, c'est ce qui va faire votre fil rouge pour justement la quête exotique que je vous parlais en tout début de vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les semaines, vous avez donc un bassin exotique, soit sur la ZME, soit sur Nessos, soit sur le Monde du Trône. Donc là, normalement, la prochaine, si je ne me trompe pas, ce sera la ZME. Vu que j'ai eu une lame du Monde du Trône, là, je viens d'avoir la lame de Nessos. Donc normalement, la prochaine, ce sera sur la ZME. Et le principe est le suivant, les enfants. C'est que quand vous arrivez au niveau du bassin exotique, normalement le premier poisson exotique que vous pêchez, puis ensuite au niveau donc du bloc du simu là où vous débloquez vos poissons, normalement la première fois que vous libérez un poisson exotique, ça vous donnera une lame. Le but étant d'avoir 3 lames pour justement pouvoir continuer la quête exotique. Là par exemple, voilà, je viens encore de remettre du légendaire et je chope un rôdeur nocturne qui est un exo et en plus 200 grammes de la saison. Donc voilà ce qu'il faut retenir, les enfants, c'est vraiment le fait de aller sur l'endroit où les poissons exotiques sont en cours. Vous allez là-bas, s'il y a du monde, tant mieux, s'il n'y en a pas, à la limite, vous pouvez attendre un tout petit peu. Une fois que vous êtes sur place, vous pêchez un maximum, un event va popper, vous faites l'event ou pas, moi je vous conseille de le faire le plus rapidement possible, plutôt que de le faire attendre. Vous récupérez pas vos poissons, vous refaites une session, là après, un autre event va popper, est-ce que vous repartez pour une nouvelle session sans récupérer vos poissons, ça c'est vous qui le décidez. Moi je sais que je le fais par exemple 2-3 fois, puis après seulement je vais récupérer mes poissons. Si vous pouvez être à plusieurs, c'est d'autant mieux. Pourquoi? Parce que je le rappelle, quand vos alliés ou vous-même pêchez du poisson légendaire, je parle par là que vous le récupérez, hein, pêchez puis récupérez, ou du poisson exotique, vous faites monter la barre de pêche concentrée, et au plus elle est haute, au plus vous avez de chances de dropper du poisson légendaire et ou exotique. Donc la pêche, les enfants, je le rappelle, c'est bel et bien un jeu de patience. Inutile de vous jeter directement sur tous les poissons que vous voyez et tous les poissons que vous droppez. Le but, c'est vraiment bel et bien de savoir à quel moment récupérer ou non. Là par exemple, je récupère mon poisson exotique. Donc voilà, concours de pêche Nessos, j'ai fini un certain palier. D'ailleurs, les paliers, les enfants, sachez-le, alors ça n'a pas réellement de corrélation avec la quête exo, mais au fur et à mesure que vous la complétez, vous récupérez des ressources directement une fois que vous passez certains paliers. Je vous conseille de les faire au maximum parce que si ça se trouve, il y aura un triomphe à la fin de la saison ou une connerie du genre. Donc si vous pouvez faire tous les paliers, je crois qu'il y en a 6. Le dernier, c'est le platine ou or, je sais plus. Encore un poisson exotique qui vient de tomber, mais je ne le récupère pas. Donc voilà, faites bien en sorte de prendre votre temps sur à quel moment vous récupérez vos poissons et à quel moment vous ne les récupérez pas. Donc là, je récupère tous les poissons que j'avais laissés auparavant sur Nessos. Voilà, donc là, un petit triomphe. Je le rappelle, hein, les triomphes, c'est par rapport aux poissons que vous droppez. Et certains poissons ne sont que dans certaines zones. Et certains ne sont que bleus, d'autres ne sont que verts. Et le but, bah, c'est d'essayer de choper un petit peu près tous les poissons possibles. Voilà, là, par exemple, je viens d'en dropper à nouveau. Encore d'autres nouveaux. Et donc, je le rappelle, hein, les enfants, pour monter votre barre, c'est vraiment le légendaire et l'exotique. À mon sens, le vert et le bleu ne fonctionnent pas. Donc là, j'ai été récupérer les poissons d'une session d'avant. Là, je vais sur le nouveau lieu. Je vais pour commencer ma pêche. Et vous voyez qu'au niveau de ma pêche concentrée, je suis déjà un petit peu monté. Autre chose très importante, au niveau des appâts, je ne vais pas réellement vous donner de façon de farmer les appâts. À mon sens, la meilleure façon pour moi de les farmer, bah, c'est tout simplement en explo. Soit vous récupérez des ressources, soit vous ouvrez des coffres, soit vous faites des patrouilles, soit des événement public. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus rapide. En plus, si vous êtes à 2 ou à 3, il est très facile et très rapide de choper des ressources, de faire des missions de patrouille, etc. Donc, à mon sens, faites comme ça. Voilà, concours de pêche Nessos, j'ai encore obtenu un nouveau palier. N'hésitez pas à faire tous vos paliers, les enfants, parce que au fur et à mesure, vous gagnez différents loots. Ici, par exemple, je disais que les events, faites-les le plus rapidement possible. Sur Nessos, actuellement, bon là, je viens de dropper un exotique, bon, c'est hors concours, mais par exemple, quand vous avez les déchus, faites l'event sans le faire en épique. Surtout, ne passez pas l'event en épique. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez devoir attendre. Vous allez devoir attendre longtemps. Donc, quand c'est les déchus, ne passez pas l'event en épique. Et pareil, quand c'est les cabale, quand c'est la sondeuse cabale, sondeuse ou foreuse, je sais plus. Ne la passez pas en épique. Pourquoi? Parce que bah en épique, ça vous demande un peu plus de temps et c'est un peu plus long. Et vous, ce que vous voulez, c'est vraiment faire en sorte que l'événement se barre le plus rapidement possible. Donc, actuellement sur Nessos, vous ne passez aucun événement en épique. Et en plus, en finissant les events, vous voyez, vous récupérez des appâts. Et pareil, quand vous ouvrez certains coffres, vous récupérez aussi des appâts. Donc, à mon sens, vous pouvez tout faire directement
sur le lieu où vous êtes en cours. Ici, comme vous pouvez le voir, on est à 6, mais pourquoi est-ce qu'on est à 6? Je vais vous le dire directement, les enfants, ce n'est pas possible normalement. Je sous-entends par là que quand vous êtes sur un serveur à 6, enfin à 5 plutôt, le serveur est considéré comme mort. Je sous-entends par là que vous ne pouvez plus avoir quelqu'un qui arrive en random. Là, si on est à 6, c'est uniquement parce que l'une des 4 autres personnes qui était avec moi avant, donc quand on était 5, l'une des 4 autres personnes a invité une autre personne et donc celle-ci a pu trouver le serveur. Mais à partir du moment où vous êtes 5 sur un serveur, c'est fini, plus personne ne peut trouver votre serveur, on va dire de manière sauvage. Donc là voilà, l'event vient de popper, j'ai fini ma session, donc là je récupère seulement à ce moment-là mes poissons. Encore un éclair ascendant, donc quand on me pose la question, est-ce que c'est worth it, est-ce que ça vaut le coup la pêche? Clairement oui les enfants, ça vaut largement le coup, très très largement. Voilà, je viens de déposer du légendaire, et encore de l'exotique. Donc là voilà, là j'ai déposé beaucoup de poissons, entre guillemets normaux, c'est-à-dire du vert et du bleu, mais de toute façon ça ne vous sert à rien parce qu'il n'y a rien qui en sort, il n'y a rien qui en drop. Donc là une nouvelle ration de survie avec frisson cinétique, je la garde au cas où. Un autre petit coup double. Au niveau des épées, normalement je vais toutes les enlever. Celle-là, non je crois que je l'enlèverai aussi. Lame infatigable, ouais je vais garder au cas où. Palmyra, j'ai déjà le mien en pièce maîtresse, donc ça ne sert à rien de me le garder. N'oubliez pas de bien tout ranger dans votre coffre à chaque fois que vous finissez des sessions. Pourquoi? Parce que sinon ça va aller dans le commis des postes. Et je ne compte plus le nombre d'éclats ascendants et le nombre de prismes d'amélioration et d'exotique que j'ai vu partir à la poubelle parce que je faisais des sessions soi-disant trop longues et que du coup bah ça part à la trappe et à la place j'ai que du légendaire, truc que j'adore quoi. Vous le faites ou non les enfants, c'est vous qui déciderez. Mais c'est vrai que j'avoue que depuis que je me suis mis comme objectif d'avoir à peu près au moins un exemplaire de chaque arme du jeu actuellement possible lootable dans ma bibliothèque, hein, je parle directement sortable de mon coffre, et j'avoue que les 600 places je commence à avoir beaucoup de mal à pouvoir les garder, hein. Le sac d'évacuation comme je disais avec incandescent et subsistance trop trop fort, mais ouais je commence vraiment à paniquer au niveau de ma place, hein. Je vous avoue que je suis obligé de sacrifier d'anciens équipements, d'anciens très très vieux équipements, et ça me fait chier. J'aimerais bien que Bungie augmente de 100 ou 200 places la place dans le coffre, hein. Franchement ça serait pas du luxe, clairement pas. Donc voilà, n'hésitez pas une fois encore les enfants à bien faire en sorte que votre coffre soit assez disponible, mais surtout votre commis des postes, hein. Je rappelle le commis des postes, de mémoire il n'a que 30 places, 30 places ça peut partir très très vite, surtout si vous allez sur des sessions comme par exemple pour monter plusieurs katas, ou alors des sessions d'éternité, ou alors des sessions de surcharge du terminal, enfin bon. Là par exemple un serment de Shinobu plutôt pas mal avec 66, beaucoup de résistance, je ne mets que mon spectre que en résistance, donc le jet est pas trop mal. Bon là par contre l'Omniculus il est très très dégueulasse, ça... Il est très dégueulasse, bon après de toute façon je jouerai pas mais voilà. Là la combinaison Orpheus est un peu moins bien, elle est pas terrible. Mais bon, mais c'est comme je vous ai dit, hein, des fois vous tombez sur des trucs très bons. Donc voilà les enfants, tout ce que je pouvais vous dire actuellement donc sur cette pêche exotique qui amènera évidemment donc l'exotique de milieu de saison. Donc ici j'ai bien une lame au niveau du monde du trône Savatoun, une lame au niveau de Nessos, et donc la prochaine ce sera au niveau de la ZME. Et une fois que j'aurai la lame au niveau de la ZME, il me suffira juste d'aller trouver 3 statues qui se trouvent dans les profondeurs, donc les missions que l'on fait actuellement de la saison. Et en fait il faudra poser une lame au niveau de chacune des statues, et une fois que ce sera fait, et ben normalement la suite de la quête exotique pour l'arme devrait se continuer, ou alors encore peut-être qu'on obtiendra l'arme directement. Là par exemple je viens de finir ma session de pêche sur Nessos, j'ai fini tous mes paliers, donc je vais voir Hearthstone à la tour. Une fois que vous avez fini, bon là c'est le champ d'honneur, c'est parce que je donne les éloges, on s'en fout, mais surtout voilà, je viens de finir le concours de pêche, et donc là vous avez accès à 2 petites armes. Alors à mon sens c'est pas super énorme, dans le sens où bah déjà vous avez le choix qu'entre 2 armes, mais en plus vous allez le voir très rapidement les enfants, si vous faites votre pêche au maximum vous allez vous apercevoir qu'au final juste recevoir une arme légendaire à la fin c'est juste ridicule. À mon sens c'est ridicule, pourquoi? Parce que auparavant vous l'avez vu, j'ai eu plein de légendaires et pas mal d'exotiques. Donc recevoir un légendaire à la toute fin de la session qui vous demande quand même je crois de choper un truc comme 600 poissons... Bon... Et voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter et liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure sur Dest 2. Je rappelle que j'ai commencé une nouvelle aventure sur Dest 1. Je verrai, mais normalement on fera l'intégralité de la campagne, normalement en titan. Mais je vous reparlerai de tout ça en temps et en heure. D'ici là, portez-vous bien. Plus plus.